Welcome! Bienvenue chez Mordicus Maudit. OK? C'est rare que j'ai de la visite, là. Là, je suis bien nerveux. Je suis assez propre? Je suis belle? J'ai mis mes plus beaux atouts. J'espère que vous êtes prêts pour le show, parce que moi, je le suis pas. J'ai déjà fait 2 pipis nerveux puis 1 caca en spray. C'est rare que j'ai de la visite. Bienvenue dans mon manoir, bon, je me présente, Mordicus Maudit, c'est moi, ça, c'est ça. Hey, welcome to the show! My name is Mordicus, Mordicus Maudit. 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 Blablabla. Ça, c'est vraiment contagieux. Respirez fort dans un micro. Quel état vient d'horreur préféré? Tabarnak, t'es bonne cette musique-là, hein? C'est moi qui l'ai composée avec ma guitare que j'ai moi-même fabriquée dans mon hangar juste à côté d'un cadavre mort. Ah! J'ai pas de pantalon, j'ai pas de pantalon, j'ai pas de pantalon. Ah non, je peux faire plus longtemps que ça. J'ai arrêté de fumer. C'est Mordicus! Mordicus, il est là, il a oublié de ouvrir le micro, ça commence super bien. C'est en noir et blanc, c'est ça! Ah, merci d'être là. Bonjour tout le monde, Mordicus, très content. Nouveau chapeau, j'ai mis sur mon chapeau, moi, là. gros show ce soir, hein, évidemment. Le Spooky Creepy Show de Mordicus commence là maintenant. Maintenant, comment... Farouko d'entrée de jeu qui dit « Est-ce que je Mordicus, que je peux aller dans ton donjon? » Bien sûr, si vous nous faites chier, si vous voulez vous faire enculer ou tout simplement avoir du plaisir, demandez à nos modérateurs d'aller dans le donjon de Mordicus. Oh! Ah, là, c'est moins drôle! Là, c'est moins drôle parce que dans le... Ici, vous êtes en time-out. Vous êtes en time-out, vous pouvez plus parler dans le chat. Ça fait à peine, hein? Mais en même temps, il va vous arriver des affaires. Seuls les gens qui vont dans le donjon savent ce qui se passe dans le donjon, ce qu'il y a dans le donjon, ça reste dans le donjon. Ce qui se passe dans le donjon. Monsieur Souris est parti dans le donjon. Je vais faire fouetter aussi, c'est parti. C'est parti. Puis ceux qui sont pas gentils avec Mordicus, eux, ils vont rester très longtemps dans le donjon de la mort qui tue. C'est dans mon sous-sol. Vous demandez c'est qui, lui, hein? Je sais pas c'est qui. Il est dans sa machine, ça fait déjà 2 semaines, pis il m'a jamais parlé. Il est là, il est là. C'est un lapin blanc. Tu sais comment c'est dégueulasse, des lapins blancs? Il y a une alerte. Farouko va faire un abonnement à la communauté de la vie de Movies. Ça, c'est bizarre.
C'est ça, j'ai pas souvent de la visite, je suis désolé. On est 16 sur 100 pour le défi 100 subs en une semaine, est-ce qu'on va y arriver? Farouko, merci d'avoir offert un abonnement à Mordicus! Ça, c'est moi, ça, Mordicus! Je te dis merci. Merci, 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 monsieur. Merci, merci, j'ai vraiment besoin d'une béquille. Merci, merci, je vais bientôt mourir. C'est même pas vrai, c'est juste des rimes en air. Merci, mon ami. Mon pot d'amis. Là, c'est pas vendeur, ça. Merci, merci, merci. On a un raid, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a le lapin? On a-tu une cote pour les raids? On a un raid! Wow! Wow! Tu viens juste de me raid. T'aurais vraiment pas dû. Red Grease, le barbin! Mais bon, par en dedans. Tu viens juste de me raid, t'aurais vraiment pas dû. J'suis tellement déprimant, mais super beau en dedans. Et merci pour le raid, yeah, merci pour le raid. Yo, merci pour le raid, t'es vraiment apprécié, for yeah. Wow! La vie est une pute. Fait que je sais pas par quoi commencer. On a un raid! Ça, c'est pas supposé de faire ça. Wow! Femme donc, ta gueule! Ok, là, ça commence. C'est gênant. J'ai fait une erreur de streamer. Une erreur de débutant. Je vais me gonner sous vos yeux. Peut-être tantôt. Changer d'idée. Changer d'idée comme je mange de chemise. Une petite erreur qui vient de se glisser parmi nous. Merci pour ton follow, mon ami. Un follow! Wow! Thank you, merci pour follow. Welcome, welcome to the show. Merci, thank you for follow. Welcome, welcome to the show! Et tu vas passer un mauvais quart d'heure. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Tu vas te faire chier pendant une heure. Welcome, welcome to the show! Thank you! For the follow. Mais je préfère être seul. Laissez-moi tranquille. Scott-là non plus est pas très vendeuse. Ah! C'est la chose de la famille Adams. 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 Bonjour. Vous êtes pas la chose? Ce n'est pas la chose. Vous êtes qui? C'est la main! C'est la main, tabarnak! Voulez-vous faire le ménage? Allez faire le ménage. Excusez-la, elle n'est pas supposée d'être ici. J'ai une autobiographie. Ouais. C'est un petit film. C'est présenté par Nestor Larcin. Hein, qui raconte très bien les histoires ici sur la chaîne. OK. Fait que let's go, Gamache dit oui, hein. Matt Carter qui dit oui, Voltaire dit oui. Je veux tout savoir. Tout savoir. Je veux tout savoir. Est-ce que je dois être en Spider-Man ou je dois être de même? On veut tout savoir. OK. OK, c'est bon, c'est parti. OK. Mais là, c'est une vie très triste. Si j'en vois rigoler dans le chat, je vais être triste, hein? Je vais être triste. Bonne première, ah! Mordicus. OK, très live, très live, très live. Musique! Oh! Wow! Un train de live en dessin animé! Let's go! On essaie d'atteindre les 100 subs en une semaine. Samedi prochain, c'est le 12h de Vino Vinette, hein? 80s lance des bits, Raspberry lance des bits, 80s relance des bits, il fait la passe à Raspberry qui compte les bulles.
millions pas d'amis. Plein d'abonnements, plein de love. Merci pour le train de live. C'est le meilleur remerciement que j'ai pu faire vidéo. On en a fait 252 prises. On a gardé la meilleure, c'était celle-là. Décevant, hein? Ouais, décevant, Chris. Place au théâtre! Je vais me présenter sous forme de documentaire de l'ONF. Vous êtes prêts? OK, on regarde ma vie en cinémascope. Ma vie en noir et blanc. Ma descente aux enfers. Le star. Larsen. Le star Larsen. Le star Larsen. Le star Larsen. Salutations, mon nom est Nestor et je vais vous raconter l'incroyable histoire de Mordicus Maudit. La mère de Mordicus vivait dans la terreur, car à chaque fois que l'équipe de hockey du père de Mordicus perdait une partie, il la battait. Ah non, t'écoutes encore ton hockey? Ben oui! Ah ouais, si tu me ferais l'amour, ouais, au lieu de me battre comme tes idoles. Je ferais l'amour. J'en peux plus. Après la game. Après, pas de battre. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'un homme. Vous savez, l'amour est aveugle. Mais la mère de Mordicus aimait quand même se zéler de hockey. Mais un jour, elle n'en pouvait plus. Elle en avait marre de se hockey et de se faire battre. Elle décida enfin de se venger. Je déteste le hockey! Oui, tu l'es! Voyant que son mari avait que deux yeux pour son équipe de hockey préférée, elle décida de faire une chose terrible. Mesdames et messieurs, bonsoir, bulletin spécial. Un drame horrible vient tout juste de se dérouler au Centre Bell de Montréal. À ce qui s'avère être une femme aurait tué l'équipe complète des kayaks de Montréal. Qu'est-ce qui est arrivé à mon équipe de hockey? Évidemment, nous vous tenons informés de plus de détails à 23h. Qui la folle qui avait dit ça? Oh. Mon équipe de hockey, à moi! Après avoir vu la tristesse dans les yeux de son mari, elle le tua de sang-froid. Ah! Aïe, aïe, aïe! Cet homme est mort par le cul, je crois. Monsieur du désespoir! Oui! Ramassez-moi tout ça. Vous m'aidez pas? Mais là! Je peux pas vous aider! Et j'ai pas de bras! J'ai pas de bras! Évidemment, à cause des caméras de surveillance du Centre Bell, on a vite identifié la mère de Mordicus pour ce crime atroce. Les policiers ont enfin mis la main au collet de la tueuse en série qui a tué l'équipe des kayaks de Montréal. C'est aujourd'hui que se déroule le procès de Madame Maudit qui a tué l'équipe des kayaks de Montréal. Son avocat plaide la folie. Elle sera incarcérée à l'hôpital psychiatrique de Verdun. Elle fit vite emprisonnée et condamnée. Après avoir plaidé la folie, elle fut incarcérée dans l'hôpital psychiatrique de Verdun. Mais elle était enceinte de son défunt mari. Je plaide de la folie! Elle fut des crises d'hystérie et maudissait le hockey jour et nuit. Je suis pas folle! Je déteste seulement le hockey! Malgré qu'elle était enceinte de son fils, pour la calmer, les médecins la bourraient de médicaments. Non! Arrêtez! Arrêtez avec ces tous ces médicaments! En plus, je suis enceinte! Je suis enceinte de mon défunt mari!
Espérons que ce sera pas un petit joueur de hockey, calice! Ah! Ah! Lors de l'accouchement de Mordicus, elle mourut. Elle n'a même pas vu le visage de son fils. La sœur de la mère de Mordicus prit soin du bébé. Elle le chérit et l'éleva à sa manière. Ben oui, ben oui. Oh mon Dieu, cet enfant-là, les yeux de sa mère. Pauvre petit. M'a t'élevé comme ma sœur aurait voulu que je te lève, hein? Avec du cognac dans le biberon. Hein? Pas toi un homme. M'a t'élevé comme si tu serais élevé par des loups. Regarde ben, on pleure pour ma tante est là. Ma tante, tu veux la têter? Tu veux la têter? Tu veux la têter de... Oh! Oh, y'a, y'a, oh! Oh, il est vorace, le petit bâtard. Déjà des dents? Oh, oui, c'est ça. Tête, ma tante. Tête, ma tante. Va prendre soin de toi, mon petit loup. Va prendre soin de toi. Ah, c'est bon. C'est bon, ma tante aime ça! Ben oui, ben oui. Ayant hérité de la folie de sa mère, Mordicus vivait au fond d'une forêt, dans un manoir décrépit. Et tous les soirs, Mordicus chante une chanson à sa petite maman, en maudissant le hockey. Voilà, maintenant vous savez tout sur la naissance de Mordicus maudit. Qui sait les aventures qu'attendent notre curieux personnage? Allez, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Chaque fois que je regarde ce documentaire, ça me fait envie de pleurer en boule dans la douche, esti. Attends, sur laquelle scène que les femmes que j'ai kidnappées... c'est pas celle-là, non. C'est celle-là, non. On va aller dans mon laboratoire, tu vois ça? Ici, dans mon laboratoire, on vit le rêve comme c'est pas supposé. Non, je vous présente mon robot Cool Maudit. C'est un robot que j'ai fait moi-même, avec mes doigts, tabarnak, esti. Présente-toi donc, mon petit robot. Je suis Cool Maudit, un robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas, baiser prudemment. C'est moi qui l'ai fait, OK? Puis c'est un robot humoriste. Oui, t'en connais-tu beaucoup des robots humoristes, hein? À part Martin Matt, hein? Non. Lui, c'en est un. Puis il va faire de la scène bientôt. Il va aller au Comedy Club, là. Puis il va faire de la scène. Attendez. Une joke n'attend pas l'autre, tu vas voir. Ça, il va par là. Conte-nous donc une petite joke. Je suis un robot. Aidez-moi. Aidez-moi. Quoi? Hey, joke à part. Pourquoi un ordinateur voudrait-il se gratter? Parce qu'il a des puces? Je sais même pas c'est quoi de l'humour. C'est mon robot humoriste que j'ai fabriqué moi-même avec mes mains. Comment ça va, Cool Maudit? Je l'ai réparé. La semaine passée, puis la semaine d'avant, puis l'autre semaine d'avant, vous étiez bien déçus. Mais là, je l'ai programmé. Attends. Faut pas croire tout ce que je dis. Je l'ai programmé pour qu'il fasse de bonnes blagues. On va regarder. Fais-nous donc une petite blague, Cool Maudit. Oh, OK. Non, petite joke, OK? Non. Ah, oui, non. Un geek, là, ne descend pas du métro. Non. Il libère la rame. La pointue, la rame. Hey, ah oui, non. Fin de la transmission.
OK. À chaque astuce d'émission, c'est tout le temps la merde ici, hein? On va se le dire. Ah, il y en a qui ont trouvé ça drôle, hein, dans le chat de la public. Merci de me faire semblant de trouver ça drôle. C'est gentil. Est-ce que... ça me tente plus, là. Peux-tu nous conter une autre histoire? Est-ce que là, j'ai promis aux éditeurs que t'étais pour être plus drôle que la semaine passée? OK, OK. Tiens-toi bien, Mordicus. Là, j'en ai une bonne. Ah, OK? Comme celle-là. Comment appelle-t-on un alligator qui enquête? Bon. Un investigateur. Robot éteindre. Ah, pour s'éteindre, il est bon en tabarnak. C'est ta dernière chance, tu robot. Je vais le dire avec de l'écho. C'est ta dernière chance, Cool Maudit. Si tu ne fais pas un bon gag, tu vas finir dans le donjon avec les autres, tabarnak. Es-tu prêt? Alors, vas-y. OK, petit Joe, tenez-vous bien. Hey, quel Pokémon a une mitraillette? Hein? Personne? C'est Merci beaucoup. Ah, j'ai pas la ref. Ah, c'est que c'est lourd. Bonjour, Maurice, ça va bien? Non, ça va pas bien. Comment ça? Je suis déprimé. Ah, non, pas encore, Carlis. Ben, t'es pas tout le temps déprimé. Oui, mais embarque dans mon jeu. OK, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Maurice des Abysses, nom qui a été trouvé par modérateur de Subbrick? Ah, si tu savais. Phew! Aïe, aïe. Non, c'est ça, on sait pas, petite cave, dis-nous-les. Je vais vous le dire. Ça paraît pas trop, c'est moi qui fais la voix. C'est mon seul ami. J'ai pas d'amis ici dans mon manoir. Lâche-moi. J'en ai pas d'autres. J'aimerais ça en avoir. Et tout le monde dit « Ah, oh, tu es peur à toi. » Mais pas Maurice. Maurice m'a jamais dit ça. Hein, Maurice? Arrête de me brasser. Non. Maurice, lui, il m'a jamais dit ça. Hein, Maurice? Oh, mes yeux! Oh, m'excuse. Oh, y es-tu mignon, Maurice, quand il s'essuie les yeux? Envoie Maurice dans le donjon. Non, c'est toi, Carl, qui va y aller si tu continues. Là, Mordicus, hein? Il est aux pommes. On est aux pommes, hein, Maurice? Ah oui, tabarnak, il m'a amené aux pommes! Les gens nous regardaient, hein? Ah oui, les gens nous regardaient. Ils disaient, regardez, la famille Adams! Oui, c'est vrai. Mais, qu'est-ce qu'on a fait avec les pommes qu'on a été au verger? On a fait des tartes. Beaucoup de tartes. Asti qu'on a fait des tartes. Hein? Beaucoup de tartes. Là, Maurice, tu vas t'en aller parce que tout le monde trouve ça bizarre que c'est moi qui fais ta voix. Veux-tu mettre mon générique? Oui. Mais tout d'abord, on va passer à une pause commerciale. Oh yeah! Le tonic miracle de papy! Ça, ça fait plus que des miracles, mon gars, Chris! T'as déjà tué! Goûtez à mon excellent tonic miracle, mesdames et messieurs, vous m'en donnerez des nouvelles, hein? Hein? S'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles. Beaucoup de gens m'ont écrit « Papy, pourquoi tu portes des gants blancs dans tes publicités? Moi, je touche pas à ça à main nue. » Ça te donne une idée? Le tonic à papy, ça ravigote ta petite plotte. Oh, 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 hey! Ben quoi? Ici, t'es en prison, on parle de même. En chum de gars, quand on s'encule, ah, on se dit souvent « Hey, une chance, papy, qu'on a ton tonic pour nous faire bander! » Blague à part, mon tonic, ça guérit tout. J'ai-tu dit tout? Vraiment? Attends une minute, pourquoi tu y goûtes pas avant de chialer? Hey!
Certains diront, oh, ça goûte la pisse, c'est normal, je pisse dedans. Recette secrète. Hey, c'est pas parce que je suis en prison que c'est pas bon. T'es en prison parce que j'ai empoisonné du monde, mais ça c'est une autre histoire. Mélange pas tout. Ici en prison, on a beaucoup de temps libre. Oh, vraiment. Hey, une fois, il y a un aveugle qui est venu me dire merci. Papy, merci pour ton tonique. Vous le reconnaissez pas, pour vrai? Il a vu. Il dit non, mais je suis bardé en esti. That's good shit. C'est pas pour rien que c'est écrit good shit. Je vais maintenant l'emboire sous vos yeux. On va le couper. Ah! Wow! J'suis-tu tombé? J'suis-tu mort? Non, j'suis encore là! Calice, je vois plus! Oh! Ça commence à faire effet! Oh oui! Et ça fait longtemps! Que dire de plus pour vous convaincre? Le tonique à papy, c'est pour toi! Ta famille, mes enfants, ton chien, tout le monde! Beaucoup de gens m'écrivent en privé. Cher Père Noël. Non, c'est pas ça. Cher Gandalf. Vous ne passerez pas. Cher Père Foura. Non, ok, c'est pas bon ça. Cher Papy, c'est ça. Cher Papy, depuis que j'utilise ton tonique, hey, penche par en avant. C'est peut-être parce qu'il est trop bandé. Le tonique à papy, achète-la. Sinon, je vais chez vous pis je vole ton chat. Je vole ton char. Je vole ta maison. Cabriole ta femme. Faites-le. On coupe. Papy a tout plein de tonique pour vous. Sueur de poche. Devine à quoi ça sert. La cyprine de ma tante. Ça là, tiens-toi bien. Ça fait des miracles. Évidemment, le tonique à papy, ça, c'est le meilleur. L'homme en haut n'a pas utilisé le tonique à papy. Mais l'homme du bas, oui. Regarde les îles sourire. Y'es-tu pas bandé, tu parles? On a également le jus de pisse de Mordicus. Oh, mesdames! Le tonic à papy, c'est vraiment bon, mais pas tant que ça! As-tu cassé les dents? Le tonic à papy! Coupé! Bon, moi je vais retourner dans ma cellule. Oh, c'est vrai, je suis déjà dans ma cellule. Bon, ben je vais. Moi je vais avec mon pouce. Ça va? Ça va! Ça va? Ça va! Ça va? Ça va! Veux-tu du tonic? Es-tu malade, toi? Bois pas ça! Ah! Ok! Ma tante est là! Allô, ma tante? Mais va, petit jeune homme! Ah, maman! Où c'est ma tante? Hein? Okay. Eh là là là, toujours là! Faut t'écouter! Ouais. Ça va pas. Miroir, dis-moi qui est la plus morte. C'est ma tante. C'est toujours là pour toi, mon petit homme. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma tante, j'ai quelque chose sur le cœur. Eh oui, y es-tu assez beau, hein? Hey, cette valeur, tu sois aux hommes, toi, hein? Parce que ma tante t'aurait pensé que tu comme un troc. Je suis pas aux hommes, hein? Ma tante. Je suis pas aux hommes. T'es certain? Oui. En tout cas, bon, viens te confier. Viens, c'est tonton, ma tante t'a confié. Ah, oh, ma tante, ça va mal. Vas-y, oui. Ça va mal. Ah, oh, c'est parti. Il m'est arrivé quelque chose. Ce matin, j'ai tué mon facteur. J'ai tué mon facteur. J'ai pas fait exprès. Je voulais pas le tuer, mon facteur, mais je l'ai tué. C'est parce que j'ai mis un boom, je t'attrape devant l'entrée de chez nous pour le tester. Mais je l'avais oublié de l'enlever. Puis là, le facteur est passé, puis ça a l'air qu'il est tombé dans mon boom, je t'attrape, puis il est mort sur le coup. Moi, là, je le savais pas. J'étais dans ma douche en train de me masturber avec un sac de plastique sur la tête. Tu sais, ma tante, comment j'aime ça me faire choquer avec un sac sur la tête. Fait que là, après 25 minutes, quand je suis venu, ben là, j'ai été prendre, voir si j'avais du courrier. Puis monsieur le facteur, il était mort à terre. Ça lui a coupé la jambe, puis il est comme mort au bout de son sang. Là, je tabarnak. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce que je vais faire? Hostie, ma tante. Hey, ça, c'est touchant, hein? Ouais. Je sais pas quoi faire. Hey, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je déguisais ma plotte comme une petite chatte pour qu'il m'afflotte toute la journée.
Il a frotté de même avec ses petits doigts, t'es tellement bon! Vous allez faire quoi, hein? Appeler l'SPCA? Bonne journée! Je viens d'apprendre quelque chose sur mon enfance, moi! C'était sa plotte! Mais elle m'a toujours dit « flatte ma petite chatte, flatte ma petite chatte! » Je croyais que c'était sa petite chatte! Ma tante! Elle, c'est elle qui m'a élevé quand j'étais petit! Eh oui, elle m'a tout appris, hein! Comment sucer des pénis, comment doigter des chats, toutes sortes d'affaires! Je l'aime beaucoup! J'aimerais vous présenter une vidéo de ma tante. C'est une belle histoire qu'elle m'a racontée avant de mourir et rester prisonnier d'un miroir pour l'éternité. Et voici l'histoire de ma tante. Ah! Tu fais l'amour comme un petit oiseau. Mais c'est normal. C'est délectable. Normal, je suis un oiseau. C'est vrai, t'es un petit oiseau. Ma tante, t'as pas oublié. Aïe, aïe, aïe. Dis donc, ma petite beauté sur deux pattes. Oui, ma belle. As-tu aimé ton expérience avec ma tante? Délectable. Délectable. Fait que là, tu ne dois plus rien. À la bonne heure. Je sens que ma tante... Oui. Deux semaines sans pouvoir m'asseoir. Oh mon Dieu. Oui, allô? Allô, c'est moi, ton chéri d'amour! Oh! Ciel! C'est mon petit copain! Oh oh! Oui! Comment va ma petite cocotte? C'est papy! C'est papy Tonic! Oui! Tu faisais de bon! Pas rien du tout, mon chéri! Je fais comme d'habitude, j'étais en train de me doigter! Non! Oui, c'est pour ça que j'ai souffre-court! La cigarette? Oui, il y a ça aussi, la cigarette! Ouais, qu'est-ce qu'elle fait de bon, là, ma belle cocotte d'amour? Que vaut l'appel, l'honneur de ton appel, mon petit barbu? Écoute, je suis juste en bas, là. Juste en bas, je viendrai te rendre visite, ma petite cocotte. Là? Oh oui. Maintenant. Oh shit, il s'en vient. Oh oh. Là, tu t'envoles, toi. Oh, y'a pas de problème, madame. Oui. Quoi, ça se dit? Non, je toussais. Oui. Ok. Ok. Oui, bye-bye. Mais c'est ça plus tard. À plus tard. Et qui va tirer un coup, tu penses, hein? La pitonique! C'est là que tu vas nous prouver tes talents pour voler, mon petit oiseau, ah ouais! J'ai jamais fait ah ouais, ça, dégage. En fait! Dégage! Asti, asti, asti... Ne marche pas! Coucou! Je suis rentré! Oh mon Dieu, mon mari! Ben oui, c'est moi! Ah! Ton petit copain! Je me surprendre en train de me doigter, je pensais justement à toi! Oh boy! Ça... C'est vrai que ça sent le sexe ici, ça hein? Ça sent le sexe! Ben oui! Ben oui, mais... C'est normal! Ok. Je viens de me doigter, moi, tu sais! C'est vrai! Je lâche tout le temps des pets de noun quand je me doigte! Ça, c'est vrai! La symphonie de Beethoven, c'est-tu! Oh boy! Bon! Bon ben, on fait-tu l'amour, ma cocotte? J'ai pris mon médicament! Mais c'est de valeur! Quoi? Oh, je sais bien! Et là, je viens de prendre mon tonic! Oui, mais... Bandé! Je viens tout juste de terminer mon petit doigtage, moi là j'ai plus envie! Ben là tu fais de la peine à peine! On fait un petit massage! Pas de massage! C'est comme ça, moi! M'en pas! M'en va aux filles de jouets! Code! Bon, ben écoutons! Oh! Aïe 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 aïe! Tu m'as baisé à mort! La pointue! T'es connu! Maman! Oui! Tabarnak! Tu me fais pomper! Ah ouais! Dis donc! Il paraît que toi, en tant que la grande faucheuse, ouais. Quand tu touches à quelqu'un, il meurt automatique! Effectivement! Ça, tu m'as touché! Là, tu viens de me faire la mouche, même pas morte! Ah, tu serais surprise! Ah! Ah, t'es un peu morte, là. Ok! Oui. Marre! Désolé de te la prendre comme ça, hein! Tu pensais que c'était la cigarette qui était pour me tuer! Non, non, non!
Ah, fuck. Ah, oui, ben oui. Bon, ben, je vais faire mon petit baluchon, hein? Ah, pas besoin. Je vais appeler mes amis aussi pour leur dire que je suis morte. Tu peux pas faire ça? Je peux pas! Ben non! Ben là, Caroline! Ben t'es mort! On sait pas que c'était pour m'arriver de même! Ah, ça arrive vite! J'aurais dû te poser la question avant qu'on baise! Trop tard! Oh, ben t'en es dans la bardaille! Écoute. Hé, capote. Hé! Écoute, parce que j'ai un chat dans la gorge. Ouais, pas une ça. Écoute, tu peux me laisser une petite chance. Ben non. Laisse-moi donc une petite chance. Laisse-moi une petite chance. Je peux pas faire ça. Oh, ouais, donc. Non. Une petite chance pour m'attendre. Je peux pas. Hein? Non. Hey! 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 Non. Une petite chance. Non. Aïe. Je suis désolé. Bon, ben. Bah. C'est ainsi que ma tante va monter au ciel. Non. Pas ça. Pas ça, je monte pas au ciel. C'est un arnaque. En enfer. Hey, ma tante va monter au ciel, hein. Non. Ah non. Non. Okay. Pas en enfer. Oh oui. Direct par la porte d'en avant. Ouais. En enfer. Moi, passer l'éternité avec un ananas dans le cul. Oh ben là, tu parles. À zéro. J'arrive, l'enfer. Parle-moi de ça, j'aime ton attitude. Je suis content. Arrête. Oh. C'est comme ça que ma tante est morte. Ben, t'as tout le tout. Aïe, aïe. OK, on regarde et on, surtout, on écoute la merveilleuse histoire que va nous raconter Mordicus. Nestor Larcin, pardon, ça c'est moi. Le vieil homme à la tarte aux pommes. Le soir de l'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et maudissait les enfants. Le 31 au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir de l'Halloween. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décidait d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui préparait sa tarte préférée et l'invitait à en dévorer une bonne pointe, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc, prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'ils ingéraient, demanda à sa femme juste avant d'avaler « Mais où est-ce que tu as pris les pommes pour faire les tartes? Je les avais tous prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtient la réponse à sa question. L'homme qui se trancha la gorge de l'intérieur. Ah, bon appétit à tous. Et à la prochaine. Oh non, tabarnak, qu'est-ce que je dis? Et que c'est décrissant ses histoires à lui! Comment allez-vous? Bienvenue! C'est l'heure de votre petite histoire! Oh, oui, je sais que vous appréciez mes petites histoires à chier. Excusez. La gardienne en danger. Enquête d'économie pour payer ses études universitaires. Une jeune fille se vit confier la garde de la maison d'un voisin. Un médecin. En échange de rémunération, l'homme lui demande de se présenter à la maison à 19h. Une heure après être arrivée dans la demeure, la jeune fille reçut un appel téléphonique au domicile du médecin. Au bout du fil, un inconnu lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Effrayée, l'étudiante raccrocha, puis regarda sur l'afficheur. Étrangement,
la personne qui avait téléphoné avait utilisé une ligne privée. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai !» déclare le même homme à la voix rauque au bout du fil. Terrifiée, la jeune fille raccrocha et appela la téléphoniste. Cette dernière lui suggéra de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. Si cela devrait se reproduire à nouveau. Et 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. La même homme. La gardienne parvient à le garder en ligne malgré sa terreur. Il lui répéta de sortir de la maison maintenant ou il la tuerait. La téléphoniste rappelait aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provenait de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Ah. Comme cela est terrifiant, je viens de me chier dessus. Allez, à la lune prochaine histoire. Alors, on va aller faire une pause musicale, mesdames et messieurs, avec un excellent vidéoclip. J'ai vu mon voisin rire de moi parce que je passais la tondeuse en robe et je n'ai vraiment pas aimé ça. J'ai été chez lui, j'ai bouffé son chat, j'ai voulu le faire payer d'avoir ri de moi en train de passer de la tondeuse à l'engin. Brûlé sa maison avec tout ce qu'il y avait dedans, c'était plutôt rigolo. J'suis pas un pyromane, mais des fois c'est bien de se revenger des gens qui risent de nous. Tu sais pas bien, tu sais mal, tu sais pas gentil. Tu sais pas bien, tu sais mal, tu sais pas gentil. M'a tué ton chat, là que je m'en allais sur la rue prendre une petite marche avec mes virus. Quand un gars s'est moqué de moi parce que j'étais habillé tout en noir, il me dit c'est pas l'Halloween. J'y ai arraché les yeux, j'y ai mis dans ma bouche. Puis quand j'ai fini de le torturer, j'ai dit c'est qui le gars d'Halloween maintenant? Parce qu'il avait la face pleine de sang. J'ai dit, hey, c'est pas l'Halloween, man. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai ri en tabarnak. Tu sais pas bien, tu sais pas gentil, tu sais vraiment mal. Tu sais mal, tu sais pas bien, tu sais pas gentil. Tu sais mal, tu sais pas bien, tu sais pas gentil. Tu sais mal, tu sais pas bien, tu sais pas gentil. Tu es le prochain. J'ai fait du recyclage de musique, revenez-en, tabarnak! Hey! Le montage et les effets spéciaux sont incroyables. Merci de l'homme qui a vu l'ours, ça, on s'y croirait, hein? C'est qu'est-ce balade vraiment dans cette maison? On s'en va voir une page de publicité. Parce qu'on a des commanditaires. Un commanditaire un peu chiant, mais on a des commanditaires. On n'a pas le choix, faut payer le loyer de mon manoir. Oh, 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 qui c'est qui est sorti de prison? Ben oui, je te donne en 1000, c'est Papy Tonic. Je suis sorti de prison, ça dépend si t'as vu l'autre vidéo juste avant. Hein? Hey, j'ai une nouveau Tonic pour toi. Oui, c'est une potion d'amour. Oui, le Tonic d'amour de Papy. What a tort.
Certains diront que c'est comme la drogue du viol. Non, 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 ben non. Ben non. Hey, je vendrais pas ça, moi. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Le magasin général, en passant, hein. Je viens d'avoir mon petit-fils, là, il s'appelle Tyler. Faut que je le nourrisse. Fait que si vous voulez, s'il vous plaît, hein, acheter mes affaires pour que je puisse nourrir mon petit bébé Tyler. OK, la potion de love de Papy Tonic, c'est simple, je t'explique. Tu en bois quelques gouttes, ou tu en mets quelques gouttes, hein, dans le breuvage ou la nourriture de l'être aimé. Qui s'intéresse pas à toi parce que t'es crissement laid. Bon, mais, puis maintenant, non, 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 vous avez des chances grâce à ma fucking potion, là. Certains diront que je ressemble beaucoup à Paranomix. Paraphonix, Paranomix. Graphonix, xylophone, Paraphonix, Paranormal, bras raccourcix. C'est quoi le nom du druide? Beaucoup de gens m'arrêtent sur la rue et me disent « Hey, toi, là, avec tes toniques, tu me fais penser à Panoramix, le druide. » J'ai dit « C'est dans ma famille. Ils m'achètent une potion tout de suite. » On est vendeur ou on l'est pas. Bon, venez à nos oignons, à notre potion, à mon tonic. Écoutez, c'est simple. Potion d'amour, bon, quelques gouttes pour l'être aimé. Et paf, bang, pouf, pif, lin. Tombera amoureux de vous, garantie, Wargeremy. Oh, regardez, un client. Que je goûte à ça. Oui, oui, goûtez à mon tonic. C'est bien parce que c'est toi, Papy Tonic. C'est bien parce que c'est toi. Oui, allez-y. Balance. Oui. C'est normal, les poils? Oh, tout à fait, tout à fait. Il y a des poils. Ah! 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 Voilà. Ah, ça pique les yeux, hein? Un petit peu. Juste un petit peu. Vous n'avez jamais remarqué comment vous avez de beaux yeux? Oh, tabarnak. Vous avez vraiment de beaux yeux. Ah non, il tombe en amour avec moi. Ouch! Oh, j'avais pas pensé à ça. Il y a d'avoir un sentiment que j'ai jamais eu depuis des années. Oh non. Je crois que je suis en amour avec vous, Papy Tonic. Oh, je suis en amour avec toi. Oh, la bonne nouvelle. Vous voyez, ça marche, hein? Ah, êtes-vous célibataire? Non, oui, ça vous non. Vous avez une petite ville? Ben, je sais plus. C'est ça. Bon, mettre potion. C'est quoi que je suis amoureux? Écoute, Papy Tonic, c'est quelque chose que vous demandez. C'est un peu gêné de vous demander ça. Ben non. Est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que vous accepteriez de venir au cinéma avec moi? On pourrait aller voir un film. Fous, n'importe quel. Peut-être. Oui. Hein? Parfait. OK. C'est un cinéma érotique, cinéma l'amour. Ça vous dit que oui? Oh, ça me parle. Ça me parle, ça. Sam. OK. Sam. Oui. À tantôt. Bye bye. Ah. Donc, ça fonctionne. Eh bien, oui. Le tonic d'amour de Papy Tonic. Et voilà, hein, achetez-en. Hein, je vous rappelle que je dois nourrir mon petit-fils, le Tyler. OK. Good. Bon, moi, faut que j'y aille, J'ai un rencard! On fait un hot tub dans le cercueil. Je pourrais faire un hot tub, Mordicus maudit, mais on peut pas montrer les tétés. C'est vrai, même les gars peuvent pas montrer les tétés. Ça me rend triste, tout ça. Ouais. Excusez... Juste 2 minutes, je vous reviens tout de suite. Ma tante! Ma tante! C'est ma tante! Ah. C'est qui, mon beau jeune homme? Ma tante! Tu m'as appelé? Oui! Hein? Ma tante! Tu m'as appelé? Oui! Miroir, qui est la plus morte? C'est ma tante! Est-ce qu'elle est moche? Ah, oui. Pour mon par le cul! Hein? Ma tante, j'ai... Comptez la joke. Oui. C'est comment que la maman est morte? Oui, comment t'es mort? Ma tante. Oui, comment ma tante est morte? Non. Va te dire.
Attends, tu sais comment qu'elle aime les longs pénis? Ouais, ben, c'est ça. Faites tellement enculer fort, si mais faites porforer le poumon. Elle-même, je suis mort du cancer du poumon. Il y en a qui disent, oh, elle fumait tout le temps. La graine me tue avant la cigarette. Excusez. Attendez, c'est étouffé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ma tante, ça va... C'est l'heure de se confier à ma tante. Oui, oui. Ça va mal. Vas-y, ma tante, elle t'écoute, je suis tout oui. OK, parfait. Mon beau petit temps. Ah. Oui, ma tante, ça va mal. J'aimerais partir un stream de Hot Tub sur Twitch. Mais je peux pas montrer mes tétés. En plus de ça, j'ai pas de hot tub, ma tante. Ben oui. Ma tante, tu me manques. Depuis que t'es décédée, tu étais la seule personne qui prenait soin de moi. Mm-hmm. Le soir, quand tu caressais ma cuisse et que ta main chaude montait jusqu'à mon scrotum. Hey! Oh. En tout cas, c'était... Tu comprends? Je m'ennuie de toi, ma tante, depuis que t'es décédée. Je m'excuse. Mais en vrai, ma tante, devrais-je faire un hot tub sur la Twitch game? Ma tante, t'écoutes? Ouais. Oui? Bon. C'est tout, là. Et là là! Oui? N'aura pas de facile, comme on dit, hein? Non. Non. Hey, ma tante est très émue. Tu viens de te confier à elle. Oui. C'est plate en tabarnak en haut. Quoi? Non, je suis pas en bas. T'es pas en enfer. Non? Non, en haut. Direct au ciel. T'es au... Tu veux savoir comment ma tante est rentrée au ciel? Non, vraiment pas. C'est une petite pipe à Saint-Pierre. Ah, oh, putain. Bon après-midi. Aïe. C'est Maurice! C'est mon seul ami! Oh, tout le monde! Oh, il n'a pas d'amis! En même temps, hein? Bonjour, Maurice! Salut, tout le monde! Ça va bien? Ben oui, toi! Bien sûr! C'est bizarre, hein? OK. Dis donc, toi, est-ce que tu es prêt pour l'Halloween qui s'en vient bientôt? Hein, Maurice? Ah oui, je suis prêt pour Halloween! Ah! Ça veut dire ton costume d'Halloween! Ah, je peux pas le dire! Je vais me déguiser en fille de joie! Pardon? Maurice, ça te ressemble pas, ça! Tu fais pas ça d'habitude! Cette année, c'est décidé! Ah merde! Je vais me costumer en fille de joie! Ah, c'est louche, hein? Écoute, ah oui, dis donc, tu peux nous décrire ton costume? Ah, c'est quand même... Ah, oh, bien sûr! Je vais avoir une petite jupe au robe au vagin. Pardon? Ainsi, de grandes bottes de pluie. Oui. Et des cheveux roses. Oui, bien sûr. Et ça va être écrit « Slot ». Dans mon front. OK, là, Maurice, tu dépasses les bornes, OK? Il y a des gens qui regardent ici. Ils sont tous choqués. Ah, on est choqués, les amis. Hein? Si c'est comme ça, je vais aller chier dans ton lit. Là, il y en a qui dit « Ah, c'est pas sérieux ce que dit Maurice. » Premièrement, franchement, Mordicus, on sait que c'est toi qui fais la voix, hein? On voit tes lèvres bouger. Ben, ça, ta gueule. Deuxièmement, il va le faire. Il va vraiment chier dans mon lit, hein? Maurice est la belle! Maurice est la belle! Maurice est la belle! Maurice est la belle! Mais tout d'abord... Une publicité de nos commanditaires! Oh, regardons ça ce que j'ai là, toi!
Oui, mon nouveau produit, mon tonic, pour ceux qui ont le kiki qui faiblit, qui ont le poireau mou, qui ont la banane qui curve, le serpent qui plie. Regarde, on se comprend. Je sais, ta femme est déçue parce que tu arrives pas à aller jusqu'au bout. Même qu'elle plie quand elle veut rentrer, je sais, ça m'est arrivé. Plus maintenant, grâce à mon tonic qui ravigote, vous savez, ici, en prison... On utilise souvent mon tonic pour les kikis qui faiblissent. Très souvent, notre partenaire de cellule n'est pas très appétissant. Mais quand faut y aller, faut y aller. Une gorgée de ce fabuleux breuvage somptueux, délicieux, efficace. À votre place, je prendrais ça avec un pince-nez. Oh, calice, ça goûte mauvais. Et coupez ça au montage, hein. Oh, wow! Ça goûte mauvais, c'est parce que ça fonctionne, qu'ils disent. On dirait que j'ai avalé une boîte d'épingle. On dirait que j'ai avalé de la cire à chaussures. Oh, on dirait que j'ai avalé la cyprine de ma tante. Oh, on dirait de l'alcool à friction. Oh, même la robine goûte meilleur que ça. Ah, oh! Wow! Voyons donc, wow! Oh, doudou, couché! Coucher! Bobby, coucher! Je l'appelle Bobby. Wow! Bobby! Hey! Hey! Avez-vous vu ça? Oh! Elle se contrôle plus! Eh, tabarnak! On dirait que je danse, là! Ta-ta-ta! Eh, si bon là! Wow! Wow! Tantôt! Wow! Oh, ok, tu calmes. Wow, voyez, c'est efficace. Elle ne pourra pas résister et vous non plus. Le tonic qui est pour les kikis qui remollit. Là-dedans, il y a du venin de serpent. De la bave de couleur, il y a du pus de lézard. Il y a de la meurtre de pigeon. Et ça, on a des affaires là-dedans. Un soupçon de miel et ma recette secrète que je ne peux pas dire que c'est quoi, que ce n'est pas du Viagra écrasé en poudre. Non. Hey, bientôt, je vais sortir de prison. J'ai hâte. Yes. Et je vais pouvoir faire du porte-à-porte, hein, de la vente à domicile, comme on dit. Et je vais pouvoir vous montrer ça en personne. Ici, à la télévision, ils m'ont dit que j'avais pas le droit de vous montrer mon érection. Voyons donc! Oublie pas, le tonic à papy, celui pour les zizis qui faiblit, c'est pour toi. Vous êtes gêné de m'en commander, garde, on peut pas faire ça anonyme. Ok, mon chum? Merci de votre attention. Bon, ça recommence. Bon, ben, le devoir m'appelle. Roger, mon chanceux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai... Oh! Oubliez pas! Ta 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 ta! On dirait Elvis, caliste! Comme toi et Bobby! J'espère que vous avez apprécié ces petits moments avec Mordicus. Mesdames et messieurs, merci pour votre love et votre présence ici, hein, dans mon manoir. C'est pas souvent que j'ai de la visite comme ça. Profitez-en parce que Mordicus, il restera pas longtemps. Pour un temps limité seulement. Je suis comme une nouvelle saveur de chip. C'est tout le temps les meilleurs qui partent en premier. Merci d'avoir été là. Merci pour les trailers. Merci pour les follow, les subs. Merci de votre amour et votre participation, mesdames et messieurs. Mordicus lance le raid. Mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a fait. Oh, Mordicus, spooky, creepy show. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on a fait dans ce merveilleux monde. Abonné, celle-là. Je me sens si seule. Visage triste. Elle était bonne, celle-là. Je me sens si seule. Merci, Falco, pour les bits. Merci, tout le monde, d'avoir été là. Merci pour les raids, les subs. Merci, les modérateurs, pour les prix qu'on a fait tirer pendant tout le mois d'octobre. Tu vas nous manquer, Mordicus. Merci, Rupert, c'est gentil. La main, des bisous. Je t'aime, ma femme. Je m'en viens de faire l'amour. Allez, on va aller raid, mesdames, messieurs, avant, évidemment. Je vais me chanter une chanson. Ce n'est qu'un au revoir, Mordicus. Ce n'est qu'un au revoir. Je reviendrai jamais. Ce concept est lourd. Adieu tout le monde.